Certaines personnes croient que le monde n'est pas tel qu'il semble être. Sors de là! Que le diable existe et qu'on se trouve au beau milieu d'une lutte épique qu'il mène contre nous. Si on regarde le monde, il semble qu'il y ait une autre force qui est attirée par le mal. Quand vous pratiquez l'exorcisme, vous attaquez le démon et lui se défend. Une lutte entre le bien et le mal, menée d'homme à homme, d'âme à âme. Si par malchance vous vous retrouvez pris dedans, seule une poignée d'hommes au monde peut vous aider. Ce sont les exorcistes. Et voici leur véritable histoire. Une fois que le malin est libéré, une fois que le mal est sorti, il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte. Chaque année, l'Église catholique reçoit des milliers d'appels à l'aide pour des infestations démoniaques. Elle a créé l'Association internationale des exorcistes pour aider à former les prêtres sur ces phénomènes. En 2004, un appel vient de cette maison de la banlieue de Pittsburgh. L'infestation de maison est bien plus courante qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Car si vous dites à quelqu'un que vous entendez ou voyez des choses, on va dire que vous êtes un peu dérangé. L'Église décide de faire appel au psychologue Adam Bly pour s'entretenir avec la famille qui habite la maison. Adam est l'un des rares membres laïcs de l'Association internationale des exorcistes. Adam a un don. C'est un homme plein de talent. C'est un laïc qui a une formation de psychologue. Il connaît la théologie, il est d'une grande spiritualité et ne craint pas le diable. Adam a participé à des dizaines d'exorcismes, mais il sait que les sceptiques sont légion. C'est parfaitement rationnel et raisonnable de penser que la possession et l'existence des démons sont des absurdités moyenâgeuses, comme vous dites. Sans une expérience directe de phénomènes aussi extraordinaires, il est naturel et rationnel de croire que ça n'existe pas. Adam a connu sa première expérience directe de ces phénomènes chez Bob Cranmer. Les deux hommes sont devenus amis depuis. Ce qu'on a vécu ici, le père avec qui on a travaillé, et ma relation avec Adam en particulier, le revoir de nouveau, le fait qu'il vienne ici, ça prouve la camaraderie qu'on partage, car je sais qu'il sait ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, c'est ce que l'Église catholique appelle une infestation démoniaque. Il existe trois niveaux de problèmes diaboliques. L'infestation, quand un démon est actif dans un lieu. L'oppression, quand ce démon s'est concentré sur une personne. Et la possession, quand cette personne a permis au démon de contrôler son corps. L'infestation est de loin le plus répandu des trois. L'infestation, c'est l'attaque et la possession de choses matérielles et de bâtiments. J'ai prié dans des maisons où il y avait des bruits, où les choses bougeaient, où il faisait froid, où il y avait une odeur, des bruits de pas, comme si les lieux appartenaient aux esprits. Généralement, il y a eu auparavant une activité diabolique, spiritisme, culte satanique, voire meurtre ou crime, et le mal, comme un gant, a recouvert les lieux. Cette maison avait envoûté Bob Cranmer depuis son enfance. J'ai grandi dans le coin. Et depuis ma plus tendre enfance, au début des années 60, j'ai toujours été fasciné par cette maison. Elle ne me faisait pas peur du tout. Elle m'intriguait. Je voulais savoir ce qui se passait à l'intérieur, qui étaient les gens qui y habitaient et ce qu'ils faisaient. C'est marié et père de famille que Bob revient à Pittsburgh après une longue absence. Il apprend que la maison de ses rêves est à vendre.
La première fois que j'ai réalisé mon rêve d'entrer dans la maison, c'était pour la visiter. On a acheté la maison. On avait à l'époque 4 jeunes enfants et on s'est installé. Tout allait bien au début. Et au bout d'environ 6 semaines, ma femme et moi, on a remarqué que quelque chose clochait dans la maison. Des choses étaient déplacées, disparaissaient. Un endroit semble particulièrement actif. Un placard situé sous l'escalier. Il y a une lumière dans le placard avec un interrupteur à chaînette. Et quand je rentrais le soir et que j'ouvrais le placard, la chaînette était enroulée autour de l'ampoule et autour du fil sur lequel était branchée la douille. On a fait un petit test. J'ai dit, d'accord, fermons la porte. Quand j'ai rouvert le placard, la chaînette avait bougé. Et on a su alors qu'on avait un fantôme. Un gamin du quartier nous a dit, « Ah, vous vivez dans cette maison, elle fait peur. » On disait qu'elle était hantée et personne ne nous croyait. Quand on invitait quelqu'un à passer une nuit, il ne revenait pas. Il faut comprendre la différence entre une maison hantée par un esprit humain et par un démon, ce qu'on appelle une infestation. Du point de vue catholique, l'esprit humain est une âme au purgatoire qui signale sa présence. L'infestation démoniaque est destructrice. C'est ce qui semble se passer chez les Cranmer. Bob se réveillait tous les matins avec des griffures, comme si un chat l'avait griffé dans le dos. Deux de mes enfants ont vu une ombre penchée au-dessus de leur lit. Elle avait une forme humaine et elle est entrée dans ma chambre en sautillant. Elle s'est mise au pied de mon lit et je l'ai regardée l'espace d'une seconde. J'ai tiré la couverture par-dessus ma tête et elle a filé à mes pieds, parfaitement pliée. Au fil des années, certains membres de la famille ont eu des problèmes psychologiques, un sentiment d'oppression et un comportement très paranoïaque. Totalement à l'opposé de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont. C'est Moloch, mon ami. On a perdu le contrôle et la situation est devenue démente pendant 2 ans. J'ai passé 14 jours enfermé dans un hôpital psychiatrique à cause de l'influence de cette chose. On ne le savait pas. On pensait que ça venait de moi. Nous n'étions plus les mêmes. On avait complètement changé. Finalement, en 2002-2003, le phénomène était devenu très apparent, ostentatoire. Il ne cachait plus sa présence. Que faire? J'étais protestant à l'époque. Je suis allé voir le pasteur de ma paroisse pour lui en parler, et il a écarquillé grand les yeux. Il m'a dit, « C'est bon, merci. » J'avais vu les films comme « L'exorciste » et ce qu'il fallait faire, c'était aller voir un prêtre. Prêtre expérimenté, le père Mike Salvagna connaît bien les infestations démoniaques. Il bénit la maison plusieurs fois et y célèbre une messe. Deux prêtres sont venus à la maison et puis il y en avait un autre, mystérieux, mystique, qui ne voulait parler qu'au téléphone. Il disait qu'il ne pouvait pas venir, que s'il entrait dans la maison, les choses ne feraient qu'empirer. L'expérience a appris aux exorcistes que les démons luttent pour garder ce qu'ils ont conquis. Un démon infeste une maison pour gagner un territoire. Le diable veut posséder la terre, posséder les gens pour finir par les tuer. Quand le mal arrive à briser la vie d'un foyer, il gagne du terrain. Plusieurs prêtres viennent bénir la maison, mais comme les séances de prière ne semblent pas porter leurs fruits, on fait appel à Adam Bly.
J'ai été appelé sur ce cas comme observateur extérieur pour apporter une sorte de validation. Ils avaient besoin d'un avis extérieur. Cette expérience va changer la vie d'Adam et le mettre régulièrement en contact avec des forces qui, pour lui, ne peuvent être que démoniaques. Après des années passées dans une maison qu'il pense hantée, Bob Cranmer et les siens demandent au père Mike Salvagna et à Adam Bly de débarrasser la maison des esprits malins. Plus facile à dire,